Allez, salut, salut les gars, c'est toujours moi de Sam Hospital. C'est toujours un plaisir de vous aider et puis c'est toujours un plaisir de faire une vidéo pour que vous sachiez au moins qu'est-ce qui se passe dans ce monde et puis quelles sont les opportunités d'avoir des bourses pour aller étudier dans une université ou bien dans un pays de whatever. Alors, donc ici, je vous présente la bourse du Canada, voilà, à l'université Melbourne. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, c'est une bonne université, vous savez tous, et puis. C'est une bonne opportunité aussi de bourse parce que il y a plusieurs bourses et puis plusieurs sélections. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés à aller postuler, vous devez suivre cette vidéo là. Mais avant de suivre cette vidéo, essayez de vous abonner, essayez de me donner une pouce bleu. Voilà, ça dit essayez de liker la vidéo, ça ne vous coûte presque rien. Donc si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, sachez que vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225 et moi c'est du Sam Hospital juste pour vous servir. Voilà, donc pour pouvoir passer cette bourse là, c'est très simple et c'est hyper simple. Cette bourse là, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire de postuler à la bourse en question. Non, la seule chose que vous devez faire, vous allez juste postuler comme étant une université et un étudiant, un nouveau étudiant qui vient juste d'avoir son niveau. Soit c'est le baccalauréat et vous allez faire la licence, soit c'est la licence, vous allez faire le master. Voilà, donc ici la bourse que je présente, c'est une bourse graduate scholarship. Voilà, donc ici, mais n'oubliez pas, il y a assez de bourses, assez de bourses ici. La seule chose que vous devez faire, vous devez juste les postuler et puis voilà, c'est tout. Donc ici, je vais essayer comme ça de vous montrer les types de bourses qui existent. Comme ça, vous allez voir un peu comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir les postuler. Donc ici, si je viens là par exemple comme ça, vous voyez, il y a les scolarités ici, view all scholarship. Donc je vous montre toutes les scolarités, les bourses. Comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Vous voyez un peu, il y a toutes les bourses qui sont là et il y a les dates. Il y a d'autres bourses qui sont déjà fermées. Vous voyez la bourse qui est là, c'est déjà fermé. Voilà, vous devez juste voir la bourse qui vous concerne pour pouvoir postuler. C'est pourquoi, pour pouvoir essayer de le faire, vous devez passer par un autre chemin. Mais pour l'instant, je vous montre juste les bourses. Vous allez passer par un autre chemin, comme ça vous allez être référé par les bourses qui sont à vous, votre portée. C'est à dire si vous êtes un étudiant de là-bas, de l'université Melbourne, vous voyez que c'est un peu différent de l'étudiant qui se trouve dans un autre pays. Donc vous êtes considéré comme étudiant étranger, alors vous n'avez pas les mêmes privilèges que ceux qui sont là-bas. Voilà, ou bien vous n'avez pas les mêmes types de bourses que ceux qui sont là-bas. Alors ce que vous allez faire est très simple. Vous ne pouvez pas directement postuler ici parce que vous ne savez pas si cette bourse vous intéresse, si cette bourse là vous convient, ou bien si cette bourse là ou si vous êtes éligible à cette bourse. C'est pourquoi on commence toujours par un autre niveau. Mais ici je vous montre juste les bourses qui sont disponibles. Vous voyez, il y a des bourses. Quand vous postulez, vous êtes considéré automatiquement. Vous voyez là, c'est considéré automatiquement. Vous êtes considéré automatiquement. Donc, et ici, il donne plus de 1000 bourses. Donc, c'est 1000 étudiants. Vous comprenez? Donc, et ici, nous, la bourse qui nous intéresse, c'est la bourse qui est là. Mais néanmoins, on va d'abord chercher parce que ce n'est pas seulement que cette bourse là. C'est vrai que je vais vous montrer cette bourse là, mais ce n'est pas seulement que cette bourse là à laquelle vous pouvez postuler. Il y a plusieurs types de bourses. Donc, pour ce faire, je vais me retenir, je vais aller vers le début, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe pour pouvoir postuler à ces bourses là. Voilà, donc ici vous voyez là, c'est pour les nouveaux étudiants, les étudiants qui sont déjà là-bas. Voilà, donc ici vous cliquez sur starting a new course, vous cliquez là et à partir de cet instant là, vous allez voir que dans les normes, ils doivent me présenter un élément ici. Donc quand je clique là, on me demande est-ce que vous êtes un étudiant de là-bas ou bien vous êtes un étudiant d'ailleurs, un étudiant international. Donc vous cliquez sur étudiant international. Voilà. Et arrivé là, on vous demande licence masters ou bien voilà. Donc si vous voulez vous cliquer là, vous allez voir la bourse. Vous pouvez aussi cliquer là. Donc moi je vais considérer que je viens pour le masters parce que la bourse que je vais présenter actuellement, c'est une bourse qui est plus destinée au masters. Mais les licences aussi, il y a des bourses qui sont disponibles. Donc vous pouvez cliquer là pour aller voir. Donc je prends ici. Et on me demande ma faculté. Donc moi je vais prendre engineering. Voilà, moi je vais prendre engineering pour ne pas trop fatiguer. Voilà, et une fois que vous arrivez là, il y a plusieurs types de bourses. Donc ici vous cliquez sur short scholarship for me. Je vais short scholarship for me. Voilà, vous voyez toutes les bourses qui sont disponibles. Vous comprenez un peu, nous la bourse qui nous intéresse, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà montré la bourse qui nous intéresse, c'est la bourse qui est là.
C'est une bourse qui est considérée automatiquement. Ça veut dire que vous devez juste postuler à l'admission et c'est tout. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous postulez à l'admission et vous attendez. Vous allez voir qu'ils vont vous ajouter à la bourse. Et puis, si vous l'avez, vous la considérez. Et puis voilà, c'est tout. Vous voyez qu'il y a des bourses encore qui sont disponibles. Ici aussi, c'est considéré directement. Vous voyez un peu. Donc, étant donné que j'ai choisi les paramètres en tant qu'étudiant étranger et que ces bourses s'affichent, ça veut dire que ces bourses-là aussi, vous pouvez les postuler. Voilà, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Sinon, vous pouvez postuler à ça aussi, climat, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la bourse de Graduate Research Scholarship. Donc, je vais cliquer là. Voilà. Et ils vont vous donner les informations, toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, si vous voyez ici, no application is required. You will be automatically considered for this award. Donc, vous voyez un peu, je vais mettre en français, comme ça vous allez le dire en même temps que moi pour ne pas. Voilà, donc, aucune demande n'est requise. Vous serez automatiquement considéré pour ce prix. Ça veut dire quoi? Vous devez juste faire quoi? Postuler pour l'admission et c'est tout. Donc, ici, c'est pour tous les domaines d'études. Voilà, et ici aussi, national, étudiant étranger aussi. Voilà, donc, ici, par exemple, comme ça, c'est une remise de 100%. De frais jusqu'à 110 000 dollars. Donc c'est à dire que vous ne payez absolument rien. Donc ceux qui veulent postuler, voilà, voici les démarches pour pouvoir postuler et voici les critères aussi pour pouvoir postuler. Donc si je clique sur les critères ici, pour être admissible à cette bourse, vous devez avoir postulé et satisfait aux conditions d'entrée pour un diplôme de recherche troisième cycle de l'université tantôt, ou être actuellement inscrit à un diplôme de recherche de deuxième cycle à l'université TAP. Donc ici, vous voyez que ici c'est juste pour le master et le doctorat. Voilà, donc ceux qui vont prendre ça, c'est juste pour le master et le doctorat. Voilà, donc arrivé là, je vais prendre la procédure de demande ici. Mais n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, la licence aussi pour postuler. Tout à l'heure, je vais vous montrer les éléments de licence. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que vous devez faire pour postuler pour une autre bourse. Voilà, donc ici, processus de demande. Si vous êtes un nouvel étudiant et que vous avez postulé à un cours de recherche au cycle supérieur avant de la date de clôture de candidature pour ce cours, vous serez automatiquement considéré pour les bourses de recherche. Voilà, donc si vous acceptez une offre de cours de recherche de troisième cycle et considéré pour une bourse, vous devez soumettre un formulaire de candidature en ligne avant le 31. Donc ça, c'est pour le PhD, avant le 31, pour être considéré comme pour une bourse de l'année suivante. Vous recevrez une notification indiquant qu'une demande de bourse a été ajoutée à votre dossier dans les 10 jours ouvrables. Ok, donc vous voyez un peu ici, si vous êtes actuellement inscrit au cours de recherche de deuxième cycle, vous allez aussi recevoir un formulaire et puis vous allez les remplir pour pouvoir les postuler. Donc ici, bourse de compensation de frais, compensation complète de frais. Donc, donc pour ceux qui vont avoir la bourse, ne vaut rien payer. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ici, on vous demande de faire quoi? De s'inscrire maintenant. Donc vous pouvez vous inscrire maintenant et voilà, ça sera tout. Donc ici, je vais cliquer sur s'inscrire maintenant. Vous allez voir les paramètres qui sont là. Voilà, le nom, prénom, votre email, votre date, votre numéro de téléphone, votre référence ici. C'est pour quelle année? Pour l'année 2023. Donc, et vous voulez commencer ici le premier semestre. Level of study interest. Vous allez prendre undergraduate ou bien graduate. Ça dépend de vous. Graduate. Pour cette bourse-là, c'est graduate. Et the University of Maryland Community they're protecting. Yes, I have read and I'll read it down. Vous cochez là. Et vous mettez submit. Vous cliquez là, vous faites submit. Voilà, donc vous n'avez pas vraiment grand chose à faire. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Maintenant, ceux qui veulent faire la licence aussi, c'est possible aussi de faire la licence. La licence aussi, je vais changer un peu ici pour pouvoir vous montrer ceux qui veulent faire la licence. Je vais essayer de changer comme ça. Vous allez comprendre que vous avez aussi la possibilité de faire quoi? De postuler à ces bourses là. Seulement que je voulais faire une petite vidéo pour cette bourse là du graduate research. Voilà, donc ceux qui font la licence, vous allez cliquer sur undergraduate ici.
et vous allez voir les bourses qui sont destinées aussi. Ici aussi, je prends engineering. Vous allez voir un peu les bourses qui sont destinées aussi aux undergraduate. Donc, short classes for me. Donc, vous voyez ici, ça c'est pour les undergraduate. Et vous voyez que ici, c'est quoi? C'est fermé, fermé, ferme. Ici, il y a considération automatique. Tout ici, c'est fermé. Donc, vous voyez ici où c'est considération automatique. Il y a 1000 bourses aussi à partager. Et ici, c'est Melbourne International Undergraduate Scholarship. Donc, vous cliquez là. Voilà. Et vous voyez ici, approximation 1000 bourses à pouvoir partager. Donc, voici les critères. Et puis, voici aussi la processus du quoi. Pour postuler, c'est la même chose. Donc, si vous voulez postuler aussi, vous cliquez là, registre le nom et c'est tout et c'est tranquille. Voilà, donc vous n'avez pas grand chose à faire. Et à la suite, lorsque vous allez recevoir votre mail, ils vont vous diriger sur une plateforme et vous allez de là-bas remplir et postuler pour une admission normale. Voilà, donc je rappelle encore ceux qui sont vraiment intéressés pour ce type de bourse là, vous pouvez m'écrire inbox. Il y a mon contact inbox, vous pouvez me joindre là-bas et on va essayer comme ça de vous aider à les postuler. Voilà, donc les gars, c'était moi et Sam Hospital. Surtout, n'oubliez pas de me donner un pouce bleu. Essayez de liker la vidéo tant que vous pouvez. Voilà, donc c'était moi et Sam Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus, les gars.